أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Donc hier on a parlé des images qui nous poussent à détester la colère, hein, qui peut nous rappeler la réalité entre guillemets détestable de la colère, comme on l'a vu hier. Quand on est en colère, qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Ah oui, c'est un bouillonnement. Oui, quelque chose qui bouillonne, c'est quoi? C'est la fureur de l'ignorance, hein, de l'agression, de cette ire, hein, de ce chien qui attaque, qui est prêt à attaquer, hein, qui se prépare, hein, c'est ça. Avant l'explosion, c'est comme le bouillonnement. Quand avant l'explosion, qu'est-ce qu'on a dit aussi? C'est une faiblesse aussi. C'est une faiblesse. On devient esclave. Voilà, on est l'esclave de cette idole qui s'appelle l'ire. Hein, la colère, qu'est-ce qu'on a dit aussi? Oui, la colère dénude nos défauts, hein, c'est juste. Elle souille le cœur. Voilà, elle salit le cœur, souille le cœur. On devient ignorant. On perd notre sagesse et notre intelligence, notre discernement, notre dignité, oui. Elle attire la colère d'Allah. Oui. Ça, oui. Elle trahit l'héritage du prophète. Et trahir aussi l'héritage du prophète. Voilà. Donc tout ça, c'est les mauvaises images de la colère. وعن عكرمة في قوله تعالى وسيدا وحصورا قال السيد الذي لا يغلبه الغضب. Vous savez, dans la langue arabe, chaque mot a une définition. Et des fois, un mot a plusieurs significations. Le mot seigneur, un maître ou bien seigneur, sayyid, si pour mériter ce nom, il faut avoir 10 qualités. 10 qualités. Le Sayyid, c'est le chef aussi d'une tribu. Le chef d'une tribu, il doit remplir 10 conditions, 10, il doit avoir respecté 10 exigences. Le courage, la générosité, le sacrifice, beaucoup de qualités, à part ce qu'on va voir maintenant. À propos de cette parole du Très-Haut, un seigneur, un chaste, Sayyid al-Wahasura, Ikrima a dit, le Seigneur est celui qui ne se laisse pas dominer par la colère. Avant de maîtriser une tribu, hein, d'être le seigneur d'une tribu, le chef d'une tribu, sois le chef de toi-même tout d'abord. Maîtrise ta colère. C'est vrai ou pas? Voilà. Ça, c'est le gouverneur, le vrai gouverneur. Hein? وقال أبو الدرداء donc ici on a seigneur, on a esclave. Encore une fois, le seigneur est celui qui maîtrise sa colère et l'esclave est celui qui est dominé par sa colère. C'est très facile. Donc éviter l'esclavagisme.
وقال أبو الدرداء قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب. أبو الدرداء demanda à l'envoyé de Dieu صلى الله عليه وسلم de lui indiquer une œuvre qui lui garantirait l'accès au paradis. Il lui répondit « Ne te mets pas en colère encore une fois, quel mérite de, ou bien quelle conséquence a la colère ?» L'enfer. Donc on a vu, elle attise la colère d'Allah et maintenant, elle peut nous jeter dans l'enfer. Le feu, oui, c'est la même famille, hein. وقال يحيى لعيسى عليه السلام يحيى لعيسى عليه لا تغضب قال لا أستطيع ألا أغضب إنما أنا بشر bien sûr سيدنا عيسى est un homme قال لا تقتني مالا قال هذا عسى Alors, Jean le Baptiste dit à Jésus que la paix soit sur les deux, ne te mets pas en colère. Jésus répondit, un prophète, hein, et parmi les cinq prophètes de la détermination, c'est pas un prophète comme les autres. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit face à la colère? Nous, maintenant, quand on te pose la question, non, moi, je me maîtrise. Alors, alaykoum salam, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus répondit, je ne peux m'empêcher de me mettre en colère. Mais il ne faut pas une excuse. Hein, tu dis, Jésus n'arrive pas à se... ne peut pas... ne peut s'empêcher de... se mettre en colère, donc je fais comme lui. Non, non, non. Il faut comparer le comparable. Hein? Et comme on a dit, hein? Il ne faut pas mesurer, comparer les forgerons aux anges. Hein? Car je suis un être humain. C'est un enseignement. Il lui dit alors, fais vœu de pauvreté. Donc, il ne faut pas amasser de l'argent. Non, ici dans le sens, l'excès toujours. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus ici? Donc la colère, c'est plus fort que moi. Mais maîtriser la matérialité de la vie, tout ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus répondit, oui, cela m'est plus facile. C'est plus facile de maîtriser la dunya que... s'empêcher de se mettre en colère. On sait que la dunya, c'est très, elle est très, très difficile, hein? Vous voyez? Bon, la colère, ça vient peut-être, c'est les autres qui vous mettent en colère. Oui. Et puis ici, le matériel, lui, on peut... Ouais. C'est la dunya aussi qui t'attire vers elle. Mais oui, c'est vrai, c'est plus fort. C'est plus fort, la dunya, normalement. Oui, mais il a la certitude de lui. Comme il a la certitude, la dunya, oui. Il est triste. Même colère, la colère, la colère, parce que je pense que, comme c'est un prophète, lui, sa colère, voyons elle est par rapport autres, à Dieu. Même si ça ne vous concerne pas, en voyant les autres qui font n'importe quoi comme ça, voilà. Mais quand il s'agit de dunya, il peut laisser. Oui. Il vient de lui. Mais c'est la colère, vraiment autre chose, trop mais pourquoi ils font ça, tout ça. Je crois que c'est vrai, c'est vraiment ça. Tu as besoin de quelque chose? Avec vous, c'est un problème. Alors, maîtriser la dunya est moins difficile que maîtriser la colère. C'est ça la leçon. Pour lui. Mais c'est pour tout le monde. Nous, on arrive à maîtriser la dunya. Mais imaginez,
La colère est plus forte que la dunya. Hein? Donc c'est pas facile. Hein? Oui, la dunya, donc voilà, les préoccupations, voilà, j'achète ça, j'achète l'autre, je joue, je la futilité, à coup c'est moi. Ouais. Hein, la dunya, c'est très difficile. Alors la colère est pire. Hein? La colère est pire que l'attraction de la dunya. وقال صلى الله عليه وسلم الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. Sabr, c'est une substance très amère. Alors, je ne sais pas comment ils vont. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la colère corrompt la foi tout comme la gelée corrompt le miel. C'est bien, c'est bon. Alors, c'est quelque chose d'amer. Je ne sais pas quelle substance. Sabr, je crois. Ah, ok, celle qui est amère. Ouais, je crois. Il y a quelque chose qui est amer, mais C'est celle qu'on boit aussi des fois pour le diabète, comme ça, parce que c'est trop amer. Oui. Hein? Hantita. C'est quelque chose. C'est noir aussi. C'est noir comme. C'est noir. Ah, d'accord. Je sais que sabr, c'est amer. Peut-être vient le mot sabr. Wallah, c'est possible. Wallah, je dois chercher sur internet, peut-être, Inch'Allah. Mais c'est amer. Ça, c'est le plus important. C'est une plante très amère. Peut-être pour la première fois, je peux faire la relation. La liaison, ou bien le rapport entre sabr, la patience, et cette plante qui est amère. Donc, bien sûr, le sabr est amer. Hein. Et sabr, c'est quoi? C'est une résistance. Hein. Sabr, c'est quoi? Pourquoi cette amertume ou ces douleurs? Parce qu'il y a deux camps qui se battent ensemble, l'un contre l'autre. La raison contre l'ignorance, la force contre la faiblesse. Il y a ce repoussement entre les deux. Hein. Quand vous venez ici au cours, il y a cette résistance. Hein. De toute façon, il y a toujours ce côté amer dans nos actions. Il n'y a pas vraiment une réjouissance 100%. Même si ça va bien, le vicaire va bien, il y a un côté qui dit, mais oui, change maintenant, fais qu'autre chose. Vas-y. Hein, donc, faut résister. Faut résister. Toujours. Sans la résistance, tu ne peux pas avancer. Sans la résistance, tu vas arrêter tout. Est-ce que c'est clair ici? Parce que nous avons ce côté humain. Alors, attention, Mashallah, j'ai la foi, tout ça. D'un coup, je me mets en colère. Et voilà, ma foi est corrompue et gâchée hein, à cause de cette colère. Ça vous arrive, hein? Et peut-être tu peux rester toute la journée avec cette sécheresse dans le cœur. Tu te sens ce dégoût à l'intérieur. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, c'est fini. Même si tu fais le dhikr, il te faut du temps pour trouver la même réjouissance avant le moment, le coup de colère. Est-ce que c'est clair ici? Donc c'est ça. Donc quelle mauvaise image on peut retenir de ce hadith? La colère est comparée à quoi? À l'amertume. Voilà. J'ai l'eau pure et je mets quelques gouttes noires. Ah, c'est ça. Ah. Je me détruis. Je gâche ma vie à cause de la colère. وقال صلى الله عليه وسلم jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'on a vu? On a dit la colère c'est une esclavagisme. On a dit aussi elle peut nous jeter dans l'enfer. On a dit aussi elle est plus difficile que la maîtrise de la matérialité de la dunya. Quand on dit matérialité tout ce qui est excès hein. Quand on dit la dunya c'est tout ce qui est haram et tout ce qui est excès de licite.
Donc toute chose qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jalla est considérée comme dunya. Hein? Autre chose, et subhanallah, le mot dunya, c'est l'approche. La chose la plus proche de moi, la dunya. L'adna, c'est le qarib. Hein? Et souvent, les gens, pourquoi perdent leur vie de l'au-delà? On a vu dans le livre de la condamnation de la vanité, ils cherchent tout ce qui est immédiat et oublient tout ce qui est au-delà. L'isso, qu'est-ce qu'il veut? Tu lui dis, tu dois travailler pour gagner un salaire. Tu dis, non, pour moi, je veux profiter de ce moment. Je veux jouer, je veux vraiment trouver les plaisirs, je m'en fiche de demain. Ça, c'est de la sottise. Hein? Donc, attention, cette denier est moins grave et moins difficile que la maîtrise. Maîtriser ça est moins difficile que maîtriser la colère. D'être quatrième point ou cinquième, c'est elle corrompt la foi. Hein? Entre guillemets, comme si la dunya est un miel, avec la colère, elle devient non potable. Hein? On ne peut plus la passer. Elle ne passe pas. Donc je gâche ma vie à cause de la colère. وقال صلى الله عليه وسلم ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم يعني طل على جهنم قرب من جهنم يعني على حافة جهنم. Un homme lui demanda, oui, et plus l'homme se met en colère et plus il se rapproche de l'enfer. Il est au bord de la falaise. Comme si je peux imaginer. Hein? C'est quelqu'un qui est très proche de la falaise, comme ça. Il regarde comme ça à la jahanne. Vous voyez comment l'image? C'est presque ça. Vous imaginez tout ça? C'est la réalité de la colère. Hein? Nous, on dit non, c'est rien la colère. Non? C'est grave. وقال له رجل أي شيء أشد قال غضب الله قال فما يبعدني من غضب الله قال لا تغضب. Encore une fois, la colère attire la colère d'Allah. Elle te met au bord de quoi? Comment on dit aussi au bord de? Hein? Du précipice. De la perdition. Il y a un mot qu'on dit en français, au bord du chaos, pas de... Non, j'ai oublié. Il y a une expression. Alors, un homme demanda, quelle est la chose la plus pénible pour ma personne? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, la colère de Dieu. L'homme dit alors, et qu'est-ce qui m'emménagera, et qu'est-ce qui m'emménagera? Il lui dit, ne te mets pas en colère. Encore une fois, c'est une confirmation d'une autre manière. Maintenant, les récits. Toujours, Al-Ghazali commence par les versets, les hadiths, la sagesse. Al-Athar, قال الحسن, يبن آدم, كلما غاضبت وثبت ويوشك أنتثب وثبتا فتقع في النار. C'est une explication au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a dit que la colère nous rapproche de l'enfer. Attire, qu'est-ce qu'on a dit aussi? La colère d'Allah. Et on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, la maîtrise de la colère nous rapproche du paradis. Hein? Donc réciproquement, la colère nous rapproche de l'enfer. Alors ici, c'est une autre image. Al-Hassan al-Basri
c'est un grand saint, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, ô fils d'Adam, à chaque fois que tu te mets en colère, tu fais un bond, et à chaque bond, tu te rapproches davantage de l'enfer où tu risques de tomber. Donc, quand tu te mets en colère, tu sautes. Mais une fois, des fois tu mets les pieds sur terre, il n'y a pas de problème ça. Mais une fois, peut-être tu risques de, voilà, de tomber dans le vide. Pas le vide, dans la Gehenne. C'est pire encore. Si c'était le vide, ça va. Hein? Donc attention, hein? Attention. Ça veut dire quoi? Je saute, hein? Je fais un bond, astaghfirullah, je peux insulter Dieu. C'est fini. Et je peux mourir directement après, hein? Directement, il passe au four. Hein? Hein? Donc attention, hein? Attention à ça. Et ça arrive, hein, ça, après, tu ne peux pas t'excuser. Voilà, j'étais en. Mais on t'a averti. Voilà, je ne sais pas. C'est encore pire. Pourquoi tu n'as pas appris? Il y avait une leçon, tu n'es pas venu. Attention, l'ignorance n'est pas une excuse. Hein. Tu as le discernement. Le discernement, c'est pourquoi? Pour calculer ton salaire et payer tes impôts. Non, ce n'est pas ça l'objectif. C'est pour calculer dans la vie d'ici-bas et surtout. Hein? Faire attention et de ne pas perdre la vie de l'au-delà. Est-ce que c'est clair ici? Alors, attention, il ne faut pas. Quelle est ici l'image? Je risque. Il faut penser à ce bon. Hein? Hein? C'est comme si tu sautes dans l'air, comme ça, dans le vide. Après, tu ne sais pas où tu vas tomber. Est-ce que c'est clair? Cette image, ça fait peur aussi. Hein? Donc, garde les pieds sur terre et sois stable. Faut pas. Subhanallah, celui qui se met en colère, il devient léger. Si on souffre, hein, le diable, il veut dire, mais il faut comme ça. On va voir, hein, il devient comme un ballon aussi, dans un autre. Comme un ballon entre les pieds des marques des footballeurs. Hein, le diable. Hein. Mais le filet, c'est l'enfer. Ils vont te jeter dans l'enfer. Pas dans le. Hein, c'est pas une coupe de monde, là. Attention, donc c'est pas facile. وَعَنْذِرْ قَرْنَيْنَ أَنَّهُ لَقِيَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَ فقال علمني علما ازداد به ايمانا ويقينا. Tout ça c'est possible, hein? C'est vrai, il n'y a pas un hadith authentique, mais c'est possible. Et s'il y a une sagesse, nous croyons à ces sagesses, bien sûr. قال لا تغضب فان الشيطان اقدر ما يكون على ابن ادم حين يغضب فرد الغضب بالكظم شدها وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا. Ça c'est le conseil d'un ange à ذي القرنين qui avait dans sa poignée le royaume de l'Est comme celui de l'Ouest. Donc quelqu'un qui a dominé la terre, l'Orient et l'Occident. Mais par contre, son nefs, c'est pas donné. Tu as maîtrisé la terre, mais peut-être tu n'arrives pas à maîtriser ta colère. C'est ça l'idée de l'ange, oui. J'ai peur de poser une question, mais c'est pas pour se justifier. Non, il n'y a pas de peur. Il ne faut pas avoir peur. Par exemple, de la colère, peut-être ici, il parle de la colère, par exemple, de quelqu'un qui est puissant, qui peut faire du mal, qui peut, par exemple, qui a, par exemple, un pouvoir. Oui. Pas d'une colère, par exemple, d'une personne, par exemple, qui se révolte contre, par exemple,
Par exemple, il se révolte pour se Pour la vérité, pour la vérité ou bien pour lui-même. Quelqu'un t'a frappé, faut pas s'énerver. Il faut le pardonner. Quelqu'un t'a insulté, tu lui dis qu'Allah te pardonne. C'est ça, pour toi-même. Mais si il fait la même chose avec une autre personne, là, tu dois t'intervenir. Là, tu dois pas accepter cette injustice. Contre toi-même, Parce le que Sheikh prophète. Sidna Souleymane, il parle par exemple autant qu'une personne puissante qui a un pouvoir, qui. Oui, Si par exemple il se met en colère, c'est la catastrophe. Si il s'énerve, c'est. pour te venger, non. Non, pas une vengeance, non. Pour te défendre, non. Si quelqu'un t'insulte, tu lui dis paix. Mais si tu vois une injustice, il ne faut pas se taire, sinon tu es complice. La différence, tu vois? Puissante ou impuissante, c'est une autre chose. Des fois, tu peux changer les choses, des fois, tu ne peux pas changer les choses. Mais on part du principe. La colère, c'est pour défendre la vérité, c'est bénéfique, c'est un bien. Mais pour défendre ton ego, non. Est-ce que c'est clair ici? Walda, tu veux dire quelque chose? Oui, parce que je comprends ce que tu veux dire, mais on est tous puissants à notre niveau. On a tous cette puissance. Soleiman, enfin, les grands, là, c'est des rois et tout, mais nous, on est puissants par rapport à nos foyers, à nous-mêmes. Toi, tu es Oui. puissante par rapport à toi. Moi, je suis puissante par rapport à moi, par rapport à mes enfants. Donc là, je vais exercer la puissance parce que on a tous un pouvoir. De toute façon, si tu es impuissante ou si tu peux rien faire, les conséquences sont pires. Hein. Là, ça devient une Ça devient rancune, encore haqd, la haine. la haine. Je répète, hein, il n'y a pas cet esprit, l'idée de défoulement. Hein, je sors tout. Moi. Non, ça c'est démoniaque, c'est une excuse de démoniaque. Hein. Faut pas le suivre, hein. Il faut arriver à se maîtriser, être sage, voilà. Et nettoyer aussi les traces après. Peut-être ça prend du temps, hein. C'est normal. C'est un apprentissage. On rapporte qu'un jour, Alexandre le Grand rencontra un ange à qui il demanda, bien sûr, les anges maîtrisent, ils n'ont pas besoin de maîtrise, mais de maîtrise, hein. Ils sont parfaits. Enseigne-moi une science qui puisse renforcer ma foi et ma certitude. Il lui répondit, ne te mets pas en colère. Donc, c'est la recommandation d'un ange. Hein? C'est un ange qui recommande à quelqu'un qui a détenu la main, la terre, la dunya, dans sa poignée, entre ses mains. Ne te mets pas en colère car le diable exerce davantage son pouvoir lorsque l'homme est en colère. Alors, tu deviens une proie facile. Tu deviens manipulable. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Si tu te mets en colère, tu deviens facile à. Tu es une marionnette. Voilà. Il a même pas besoin de bouger les doigts. Il va juste souffler comme ça. Et tu seras éparpillé, jeté. C'est pas où après. Tu sais pas où tu seras jeté. Attention alors. Hein? Car le diable exerce davantage son pouvoir. Tu deviens sous la mainmise, le pouvoir du diable. Hein? Lorsque l'homme est en colère. Si vous avez vu, hein, c'est fini. Il devient possédé. Tu lui dis quelque chose, dis la ilaha illallah, laisse-moi tranquille, il va monter, il ne faut jamais lui dire. Dis a'oudhou billahi tarajim, ou bien tu nous as raconté hier l'histoire de cet homme. Ou bien salli al-Nibi, non, non, jamais tu lui dis ça. Il va peut-être tourner contre le prophète. Il peut, attention, hein, Wallah, il peut même insulter. C'est dit, c'est un bon. Après, Allah, il va. On a dit aussi.
Il est au bord de la falaise, hein, hein, Pour glisser. glissé. Et imaginez, hein, on est tous là, au bord de la falaise. Et tu sautes. Hein, tu fais ce bond encore. Tu dois, sur cette terre, on doit marcher, marcher, humblement. Hein, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Famshu fi manakibiha. Le Coran nous dit toujours, faut jamais courir. Il faut marcher sur cette terre. Mais par contre, dans le bien, là, tu dois hâter, tu dois courir. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? C'est la recommandation d'un ange. Ne pas se mettre en colère. Donc le diable t'incite à te mettre en colère. Un. Deuxième chose, la personne qui se met en colère, en même temps, il se met sous le pouvoir de démons. On va continuer. Aussi, réprime-la et calme-la. Voilà. Pas de défoulement. Il faut réprimer la colère. Il faut la calmer. Donc, moi, j'imagine. Quand je m'explose, hein, sous le prétexte de défoulement, je vide ce que j'ai dans mon cœur. Le contraire. T'as vu, tu vois une flamme, tu vas jeter de l'huile brûlante. Donc tu vas attiser cette colère. Oui, tu sens un calme sur le peut-être juste, mais en réalité, tu as attisé cette colère. Et tu ne peux pas après corriger. Calme-la par la gentillesse, pas avec la violence. Prends garde à la hâte. Alors, ici. Alors, ça veut dire quoi la hâte? La vitesse. L'empressement. Voilà. L'ajala mina shaitan. L'empressement vient de diable. Le non-empressement vient d'Allah Azzawajal. Donc, pas de stress. Tu ne dois pas être pressé. Là aussi, ça, c'est une circonstance, c'est un terrain propice pour la colère, l'empressement, le stress. Je vois des fois un caissier. Il passe comme ça, les le. Wallah, subhanallah, je lis vite. Mais des fois, je n'ai pas le choix. Toutes les caisses sont fermées. Mais qu'est-ce qui y a? Tu es payé, c'est bon. Calme-toi, il nous stresse, subhanallah. C'est vrai ou pas? Il y a d'autres, mashallah, qui. Donc, l'empressement, c'est démoniaque. Hein? Prends ton temps, bien sûr, tu dois. L'ordre aussi, il est angélique. Les anges sont. L'ordre aussi vient des anges. Hein? C'est pour ça, dans la prière, on dit, on doit être. Ordré. Pourquoi nous imitons les rangs des anges? L'ordre, le calme, la propreté, tout ça vient de Dieu. L'empressement, le désordre, la stress, c'est les ténèbres. Est-ce que c'est clair ici? Il y a du travail, hein? Et calme-la par la gentillesse. Prends garde à l'empressement, la hâte. Car si. Tu t'impatientes, tu te trompes et tu manques ton lot. Ça, c'est juste. Ah, j'ai oublié. Vous voyez combien nous. Ah, j'ai oublié les clés. Tout ça, à cause de l'empressement, ça. Je me suis trompé. Hein? Alors, comme on a dit là, tu dois être digne. Hein, c'est ça, hein? Digne, sobre. Calme. Hein? Alors, qu'est-ce que vous avez retenu comme mauvaise image concernant la colère? La colère, t'es sous la peau. Tu es possédé par le diable. Pas le diable? Elle t'emmène au bord du précipice, de l'enfer. Les fautes aussi? Tu vas faire des fautes, comme c'est marqué Oui, ici. Hein? par rapport à Sidna Souleymane. Hein? Par rapport à Sidna Souleymane.
comme l'exemple de ces personnes-là. Non, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, oui. C'est moi ces personnes-là. Non, c'est Alexandre le Grand, Dhul-Qarnayn. Subhanallah. Et ça, c'est une recommandation à un homme. Inch'Allah, un exemple. Quelqu'un qui avait un pouvoir. Mais toujours avoir le pouvoir sur soi-même n'est pas facile. Hein. Tu peux avoir la dunya entre ta main. Mais en même temps, tu n'arrives pas à maîtriser ton nafs. Tu peux maîtriser la dunya, gérer la dunya, mais tu es incapable de gérer un moment de colère. Subhanallah. Quelle sagesse, subhanallah. Car si tu trompes, donc tu peux te tromper et tu manques ton lot. Sois tolérant et tendre. Ça, c'est le remède. Bien sûr, on peut, Inch'Allah, avec le temps, avec la prise de conscience, avec l'intervention divine aussi, le concours providentiel d'Allah, avec le proche et l'étranger. Et ne sois ni tyran ni rude. Voilà les terrains de la colère. La rudesse, on peut dire comme ça, quelqu'un qui est rude, tyran, hein, et le terrain qui peut rejeter c'est la colère, c'est la tendresse, la gentillesse, la tolérance. Et tout ça, c'est possible. Hein. Tout ça, si on te paye 1000 francs, tu vas maîtriser ta colère toute la journée. Oui, il y a un résultat. Donc, là, c'est le paradis. Inch'Allah. Et calcule les conséquences. Regarde les conséquences. Hein? Donc, c'est possible. Hein? Ça dépend de ton aspiration et ta conscience. Hein? Pense à ces bénéfices. Tout d'abord, cette liberté. On a dit que la personne colérique est un esclave. Hein. C'est un esclave. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser soi-même. Hein. À gérer ses émotions. Oui. وعن وهب ابن منبه أن راهبا كان في صومعته فأراد الشيطان أن يذله فلم يستطع فجاءه حتى ناداه فقال له افتح فلم يجبه فقال افتح فإني إن ذهبت ندمت فلم يلتفت إليه فقال إني أنا المسيح فقال الراهب وإن كنت المسيح فما أصنع بك أليس قد أمرتنا بالعبادة والاجتهاد ووعدتنا القيامة فلو جئنا اليوم بغيره فلو جئتنا اليوم بغيره لم نقبله منك فقال إني الشيطان وقد أردت أن أذلك فلم أستطع فجئتك لتسألني عما شئت فأخبرك فقال ما أريد أن أسألك عن شيء قال فولى مدبرا فقال الراهب ألا تسمع قال بلى قال أخبرني أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم قال الحدة الحدة مفهومة الحدة ريت الحديد ماضي تقاوى يابس وأحرش كما نقول وحنا وكما نقول بلغتنا نقول يدق يعني مشوك ديما ديما صعيب ها أحرش أي واجه سبحان الله كل مكان يعني قلت ذي عندكم إن الرجل إذا كان حديدا يعني شديد قلبناه كما يقلب الصبيان الكرات. On a vu les anges qu'est-ce qu'ils ont recommandé à Alexandre le Grand. Maintenant, regardez maintenant le diable qui parle. Il y a une logique hein.
Wahb ibn Munabbah, c'était en réalité un juif converti. Wahb ibn Munabbah. Donc il a beaucoup de connaissances. Je crois qu'il était même un rabbin. Ouais. A dit un jour, le diable tenta en vain d'égarer un moine qui se trouvait dans un couvent. Il s'approcha de sa porte et lui demanda de lui ouvrir. Mais le moine ne répondit pas. Il lui dit alors, « Ouvre, car si je m'en vais, tu le regretteras. » Le moine ne réagit pas. Il lui dit alors, « Ouvre, je suis le Messie. » Le moine répondit, « Si tu es le Messie, que ferais-je donc de toi? Ne nous as-tu pas ordonné l'adoration de Dieu et la cèse? Ne nous as-tu pas promis la résurrection? Si tu es venu aujourd'hui pour autre chose, je ne l'accepte pas. » Le diable lui dit alors, « Je suis le diable. Hein? » Des fois, souvent, les diables mentent. Hein? Donc, il ne faut pas aller écouter leurs promesses. Ils mentent toujours, déjà. « Je suis le diable. Je suis venu pour t'égarer. Mais je n'y suis pas parvenu. Je suis là pour répondre à toutes tes questions. » Le moine dit, « Je n'ai aucune question à te poser. » Le diable insista et le moine lui dit, « Ne m'entends-tu pas ?» Le diable, oui. Le moine dit, « Dis-moi, quelle est la propriété humaine qui te donne le plus de pouvoir pour agir sur les hommes ?» Là, c'est la colère, mais il y a un terrain. Hein? Il répondit, « La dureté. » Ici, comme le fer. Hidda, ça vient de fer. Il y a des gens qui sont comme ça, durs, subhanallah. Tu viens à droite, à gauche, toujours. Très dur. Et féroce. C'est comme un chien. C'est comme, comment on dit, il y a le chat qui a les poils doux et on a le. Comment on dit? Le hérisson. Le hérisson. L'orisson? Le hérisson. Le hérisson. Voilà, il y a des gens comme des hérissons. Toujours. Hein? Il rigole pas, il est toujours comme ça, crispé, grimace. Vous voyez? Donc on parle de ces gens-là, c'est une proie facile aussi pour le diable. C'est les préférés des démons. Là, ils peuvent jouer comme, ils peuvent les manipuler comme ils veulent. Il répondit, la dureté. Lorsque l'homme est dur, nous pouvons nous jouer de lui tout comme l'enfant joue avec son ballon. Donc, sois souple. Tu es flexible, tu peux amortir les suggestions malignes. Mais quand tu es dur, tu peux pencher d'une extrémité à une autre. Hein? Alors, Qu'est-ce qu'on a retenu ici? La personne qui est en colère est comparée à quoi? Un ballon. Un jouet. Hein? Entre les mains, les pieds de diable. Le ballon, c'est entre les pieds même. C'est pire. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de cette leçon? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? La première. Gardez, si vous voulez, le texte. L'amertume. Voilà. Parce que la colère, elle entraîne l'amertume aussi. Quand tu te mets en colère, après, t'es mal. Qui est le Seigneur et qui est l'esclave? Le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui maîtrise sa colère. Et l'esclave, c'est celui qui est pris par sa colère. Très bien. Deuxième. La maîtrise de la colère nous rapproche du paradis. Donc la colère nous rapproche de l'enfer. Très bien. Après,
La maîtrise de la colère est moins difficile que la maîtrise de la dunya. Signé par qui? Par un prophète parmi les prophètes de la détermination, Oulul-Azm, Sayyidina Isa, alayhi salam. Troisième, quatrième point, la colère rend le miel amer. Subhanallah. Donc elle détruit la vie. Détruit le plaisir de la vie. Subhanallah. Tu te mets en colère contre tes enfants. Après, tu as un visage, tu as le grimace toute la journée. Les gens viennent, qu'est-ce qu'il a? Mais j'ai rien fait pour toi. C'est vrai ou pas? Non, 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 je n'ai pas de problème avec toi. Là, mais pourquoi moi alors? Pourquoi moi je paye? Donc si tu te mets en colère, reste à la maison, il ne faut pas voir les gens. Hein, c'est vrai. Alors, cinquième point. Des bons qui nous reprochent, c'est des sots. Oui, ça c'est une autre, mais il y a plusieurs images. On a dit que attire la colère d'Allah Azzawajal. Mais maintenant, il y a une autre image. Elle nous rapproche de la falaise de la Géhenne. Hein? Dites, c'est comme un seau ou bien un banc. Je ne sais pas après où je vais mettre les pieds. Je risque même de tomber dans l'enfer. J'ai dit, je me mets en colère, je commence à insulter. Insulter les gens, insulter. On ne sait pas comment ça va se terminer. Je sais pas qu'est-ce que je vais sortir de ma bouche. Hein. Parce que c'est moi, c'est pas moi qui maîtrise la langue, en fait. Mais je suis responsable. Hein. Il ne faut pas dire après. Bien sûr, ces gens vont dire, ah, c'est le diable. Le diable va dire, je suis innocent. C'est marqué dans le Coran. Moi, j'ai juste les piqués. Les yanzao. Yanzaro. Nazar. J'ai piqué, moi. J'avais un bouton, j'ai piqué. Et toi, répondu. J'ai provoqué, tu as accepté. J'avais une offre. Et tu étais d'accord. Alors attention. Après, on a dit, L'impatience aussi. L'impatience amène à la colère. l'impatience amène à la colère. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? La rapidité, la hâte. Qu'est-ce que tu avais mis? La possession du diable. Je suis sous le pouvoir du diable. On a dit ça. Et après, le cheikh, il explique. Il nous a donné, mais pas vraiment, comme on a dit, entre les mains du diable, je suis entre les pieds du diable. Donc il m'écrase, il joue. Hein? Donc je suis un jouet. Hein? Marionnette. Voilà plusieurs images. Le Ghazali, il est très pédagogue. Il détaille l'image. Après, il entre dans le comment je suis sous le pouvoir. Alors, un ballon, ou bien un jouet. Hein? Et peut-être après, il va détailler encore. C'est comme ça pour te rapprocher à travers les paraboles de la réalité de la colère. Et ça, c'est avec Dhulqarnayn, avec Isa, alayhi salam, avec des gens sages, hein, c'est des gens qui maîtrisent. Hein. On a pu parler de quoi vous avez cité quelque chose à m'interroger la colère. Ah oui, ça va venir, Inch'Allah. Par contre, avec une il faut être tolérant et Tolérant, tendre. doux, tendre, compatissant, tout ça. Avec les proches. Avec les proches et les éloignés, les étrangers. Déjà avec soi, ça commence déjà. Déjà avec soi. Barakallahu fikoum, Inch'Allah. Ce soir, Inch'Allah, je suis là, bihawlillah. Ça sera à 20h15 et quart sur l'atelier de la prière. Comment corriger la prière, Inch'Allah. Et après, c'est Allah. D'un coup, Inch'Allah, tu vas recevoir, croyez-moi,
Vous travaillez comme ça, et un jour, tu vas recevoir la réjouissance de la prière. Comme récompense. C'est une récompense d'Allah, parce que tu as travaillé. Même si tu es désespéré, tu dis, ah, c'est, on a fait plusieurs... Mais pas, tu es insouciante 40 ans. Tu es négligente 40 ans. Et après, tu veux, après 2-3 séances, trouver l'humilité et la réjouissance de la prière. Ça prend du temps. Hein? Donc, Inch'Allah... الله ندونغ على ريجيسونس دو لابريير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على محمد، الحمد لله رب العالمين.